Materup, c'est une jeune société landaise qui développe et qui produit des bétons bas carbone à partir d'argile crue. C'est une technologie qui est brevetée et donc on prévoit la création d'une usine en Nouvelle-Aquitaine en 2021. Et on a un projet avec un ancrage territorial fort puisqu'on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine depuis le début de notre projet et on compte se développer sur la région et sur ce territoire pour contribuer à son dynamisme et à la transition environnementale. Donc nous, par rapport à la crise, en fait, par rapport à notre stade de développement, on a été assez peu impacté. Alors, je dirais même que ça a accéléré notre projet. En fait, notre projet rentre en résonance avec les enjeux qu'a fait émerger cette crise, donc à savoir produire et consommer local, renforcer et systématiser l'économie circulaire et réellement prendre en compte l'impact de nos activités humaines sur l'écosystème terrestre et aligner tout ça avec les actions, notamment industrielles, par rapport aux engagements de la COP21. Un point très important, en fait, c'est qu'on sait que cette crise du Covid, en fait, malgré son ampleur mondiale, c'est que peu de choses par rapport aux bouleversements à venir qui sont liés au dérèglement climatique et à la perte de biodiversité. Et il est urgent de construire dès aujourd'hui la résilience à l'échelle des territoires. Donc, c'est vraiment un message fort qu'on voulait porter, en fait, à travers cette interview. Pour nous, Néo Business, c'est deux choses. Premièrement, c'est une opportunité, en fait, de visibilité au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, afin de faire connaître nos solutions de béton bas carbone qui répondent à la nouvelle réglementation RE 2020 qui arrivera l'année prochaine. Et le deuxième enjeu, c'est également l'occasion d'échanger avec des acteurs locaux engagés qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, régionaliser en fait les chaînes de production et de création de valeur pour créer des emplois locaux, industriels et durables.